Alors c'est un, une présentation poétique du film que vous allez voir euh, et, euh, et en hommage au Festival Atmosphère pour un monde durable. Le poème s'appelle Le poumon vert de la planète. Comment changer d'air et d'atmosphère pour l'avenir et passer du savoir-faire au savoir-être dans l'art de vivre Enterrer l'âge de guerre pour en faire un havre de paix sur une arche avec nos pères l'arc-en-ciel étoilé de l'univers. La forêt d'Amazonie est passée, elle, de l'harmonie à l'agonie. Défrichés par la rue et vers l'or clandestine, nous sommes vos amis. Ayam, Guarani, Kayowa, Kassik, Kraoni, avant que ce peuple ne soit anéanti. Ils étaient 5 millions en 1500, ils ne sont plus que 45 000 aujourd'hui. Je suis donc je suis Cid, tu es, donc tu es, telle est la chronique d'un génocide. Donc préservons leurs terres ancestrales, tel un appel des Indiens au visage pâle, et luttons pour qu'on les respecte au cœur du poumon vert de la planète, l'Anthropocène, pour ne pas faire de la terre la scène du problème de trop, mais plutôt du poème du beau. Dame Nature recherche amoureusement, homme mature, dans la fortune de, de nos mésaventures, notre cœur demeure, notre plus grande fortune. Que voulez-vous Un futur belliqueux ou une culture harmonieuse Car comment lire dans le trou noir des yeux d'une terre-merveilleuse La prochaine rime sur le climat, je voudrais que personne ne la prenne au deuxième degré, car il est possible que l'humanité ne survive même pas à l'augmentation d'un premier degré. Donc quand va-t-on rejeter le progrès, puisque l'on sait que le bonheur est dans nos prêts La question de l'avenir subsiste. Quel sera notre moi dans le calendrier de l'après Si la planète se réchauffe, mais pas dans nos cœurs, qui croira que l'on n'a pas fait exprès La raison tue si le toit n'est qu'un jeu, et la maison brûle quand le toit est en feu. Oui, nous sommes censés être des êtres de conscience, des enfants fantastiques, intelligentis dans l'océan. Mais n'est-on pas un peu raciste quand on hiérarchise les espèces de la vie avec nous tout seuls, loin devant Comment peut-on continuer éternellement à faire semblant de se sentir bienveillant et promouvoir en même temps la marchandisation économique des âmes vivantes en aliments voilà pourquoi je demande un concert de silence dans un contexte concret de ciment, pour une preuve de tolérance devant l'eau de vie d'une belle fontaine de, jou de jouvence, en guise de cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on danse, en espérant que l'humanité avance ensemble en quête de sens. Et puis, si toutes nos chaussures ne rentrent pas dans un gros pied des stalles, N'oublions pas que la propriété, c'est vénal et que la sobriété, c'est génial. Donc, comment allons-nous faire société si la société elle-même est bestiale L'être humain cérébral n'est-il pas aussi doté d'une conscience responsable Donc, mettons âme sur table pour un futur plus souhaitable. L'intérêt général érigé, telle notre plus grande quête du Graal, de l'ancien temps des cathédrales à celui des pactes avec les diables, de quel système intégral naîtra un monde beau, coup plus durable Demain c'est loin et demain c'est bien, mais demain n'est rien si l'on ne fait rien pour créer du lien ensemble, main dans la main. Notre chemin est humain car notre destin est commun, dans le réveil d'un beau jardin jusqu'à l'éveil le matin les yeux rivés sur la COP 21 et vers de meilleurs lendemains. Pour finir, si eux sont les peuples premiers, sommes-nous les peuples derniers Si oui, alors prions pour qu'un jour les derniers rejoignent les premiers. Car au lieu de regarder chacun de son côté la forêt qui tombe, cultivons ensemble l'arbre des possibles d'un nouveau monde. Ayam Guarani, Ayam Harmony. All men and women, this is what makes us human. Merci et bon voyage. Merci. Merci Vincent. Ça, ça va tout à fait dans la philosophie du festival ou vraiment pour nous, c'est la culture qui va être, le, qui est le vecteur du développement durable ou d'un monde durable en tout.